Il nous avait fait l'année dernière une histoire de la France par la peinture. Cette année, Dimitri Casali nous fait l'histoire de France, l'histoire que les Français n'apprennent plus. C'est un peu dans le genre du livre qui est sorti l'année dernière de Jean Sévillia, Histoire passionnée de la France. Sauf que celui-là est plus abondamment illustré et peut-être un peu plus accessible à un plus large public. Ce qui ne veut pas dire que l'autre était compliqué à lire. Hein. Mais bon, les gens, à Noël, ils aiment bien avoir des livres illustrés. En plus, c'est quelqu'un qui passe très bien à la télé parce qu'il se vend déjà très très bien. Il est passé deux fois à la télé et c'est déjà pratiquement en réimpression. Il est abondamment illustré et il remet en perspective toute l'histoire de France jusqu'à nos jours. C'est vraiment un condensé très bien. Et ça s'adresse aussi aux ados et aux machins 13, 14, 15 ans à partir de cet âge-là. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment un très très chouette bouquin. Et puis, il faut vraiment qu'ils comprennent une fois de plus le passé pour essayer de comprendre le présent et l'avenir. L'histoire de France chez Flammarion, Dimitri Casali.